Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Moi, je voulais vous poser une question. On en parlait dans la newsletter tout à l'heure, yes. Avant votre arrivée. Oui. Que pensez-vous de l'évincement de Tex? La décision a été prise par Delphine Ernotte, on le sait, et il a été évincé dernièrement du groupe France Télévisions. Ça m'étonne pas. C'est un nom, nom qui s'allonge à la longue liste. Si j'étais persuadé que je serais le premier d'une longue liste. Oui. Ah, vous le saviez. Je ne me suis pas trompé. Mon flair. Je savais que Julien Lepers était le premier de longue liste. Pourquoi? Parce que 28 ans qu'il est là. Mais virez-moi tout ça. Mais rajeunissez-moi tout ça, allons, ouais, voyons. C'est n'importe quoi. Et donc, ça marche très bien. Mais tu vois, c'est vraiment. C'est pas bien. Je ne me suis pas trompé. Georges Pernou, Thalassa. Oui. David Pujadas. Ouais. Le 20h. Hein. Ouais. William ouais. Lémergie. Le fou. Matin, même s'ils essayent de. Tu vois, je sais que c'est ça. Ouais. Gérard Holtz, Henri Sagnier. Enfin, Tex maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, Tex? Évidemment, vu il aurait pas pu le faire. Vu comment il a pleuré, Lémergie, c'est pas lui qui a décidé. Voilà. C'est évident. Voilà. Moi, j'aimerais bien vous demander, c'est moi qui vous pose la question. Que pensez-vous de l'histoire de Tex et de la vanne? C'est vrai que c'est pas une vanne qu'il faut faire en ce moment, cette période de puritanisme total. Mauvais timing. Donc, c'est vraiment, on n'est pas dans le timing du tout. On n'est pas dans le timing. Les femmes montent au créneau, elles ont raison de le faire. Il y en a marre de se faire mettre les mains aux fesses. Mais c'est cher payé. Mais c'est très cher payé. C'est trop cher payé. Voilà. Alors, on a l'impression qu'elles se précipitent là-dessus. Pour vous. Et que des mecs, que des hommes qui sont foutus dehors. Moi, je pense que c'était une excuse pour le mettre dehors. Oui, voilà. Bon, alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Évidemment, je ne suis pas d'accord. Mais bon, je lui ai dit, je l'ai eu au téléphone, Tex, il y a deux jours. Il dit, bienvenue au club. Bienvenue au club. Comment il se sentait? Non, mais il n'est pas bien. Moi, je sais très bien comment on se sent. Et lui, ça fait combien d'années? Ça fait une dizaine d'années, je crois. 17 ans. Et moi, on m'a viré un peu comme vous. Au bout de 8 mois, je peux vous dire, ça fait pas pareil. Même 8 mois, ça fait chier. Parce que pareil, j'avais rien fait. Voilà, et t'as rien fait. Tout le monde disait, c'est bien, t'es le meilleur. Et puis, on t'a dit, allez, tu vas là-bas. Donc, je connais par cœur. Et ça fait pas 28 ans. Imagine 28 ans. Donc, voilà, bon, écoute, c'est la vie. Je crois qu'il faut s'y faire. On est trop sentimentaux. On s'habitue à des gens, on leur donne ce qu'on a de meilleur. Et tu vois, on craque pour eux, on essaie de. Tu vois, on les charme, ils nous charment, ça se passe bien. On est trop sentimentaux, en fait. Il faudrait s'en foutre. Évidemment, mais ce métier part aussi de là, Julien, on le sait. Ça part alors, de deux choses. La première, c'est que Delphine Ernotte, rassurez-vous, ne fera pas 28 ans à France Télévisions comme vous. Rassurez-vous, il me semble que dans les quelques mois qui arrivent, il va y avoir des petits changements. Je n'ai rien dit, mais j'en pense pas moi. Étant moi-même en relation directe avec Emmanuel Macron, je peux vous dire, ça va chier. Ça serait bien. Et est-ce qu'on a, Julien, un petit mot pour Tex? Bien sûr, je t'aime. Est-ce qu'il est là au téléphone? On l'a ou pas? Non, on l'a pas au téléphone. On le recevra bientôt. Bon, ça serait bien qu'on l'ait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au téléphone avec Tex? Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que. D'abord, non, c'est vrai, je lui ai dit bienvenue au club, tout simplement. Et il m'a dit, mais écoute, je sais pas, on va se battre. Mais il était très touché, bien sûr. Très touché. Tu donnes ce que tu as de meilleur. Et tu te fais virer sans vraiment raison. Cette vanne, il aurait pas dû la faire. Ça, on est d'accord. On va pas la répéter ici. Non. Ça suffit. Sachant qu'on l'a répété deux fois avant que vous arriviez. Non, mais bon, tu vois, c'est disproportionné. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.